Et nous sommes de retour. Callisto Protocol, ça doit être le troisième épisode normalement. Donc ça se passe nettement mieux. On avance vite et bien. Et ouais, c'est cool. Continue. Alors, suivre le tuyau rouge. Ah, ils sont un peu résistants quand même, mais ça va. Je crois qu'ils nous ont vu, je crois que ça sert à rien de se cacher. Ah putain, avance! Oh, merde! J'étais bloqué par... bloqué par je sais pas quoi honnêtement. Chier. 82 crédits, c'est pas mal. C'est quoi qui m'a bloqué? C'est ça qui m'a bloqué. Putain, quelle merde. On a la moitié de notre vie maintenant. Yay. Vous voyez les points de contrôle sont mal faits. On en a eu, on a genre, j'ai commencé la vidéo, on a eu un point de contrôle genre ici, genre à 30 secondes d'écart. Un peu, c'est pas vraiment très bien fait. Ok. Très bien, go. Ok, nickel. Joli. Si on arrive à mixer avec les attaques lourdes et tout ça, on peut les repousser, continuer à les attaquer pendant qu'ils se relèvent et tout. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Merde, j'aurais pas dû faire ça. Ah non, t'es sérieux ? Devoir tous retaper. Ah, ça serait... J'ai pas tué le... Ah putain, la souris, elle va me faire chier. J'ai pas tué les deux. J'ai tué que le gros avec la bombe, apparemment. C'est chier. Attends, j'ai tout pris, là. Du coup, ça a sauvegardé, mais je sais pas. Ouais, non, on était bon. Il y a de la, des crédits à droite. Mais merde. Ouais, ça va, on a de la chance. Eh ben, on a eu pas mal de chance. J'allais me soigner en fait. Ah, on n'arrive pas à bien lancer très loin en fait les projectiles avec, avec le gant. C'est un peu la merde ça. Ah.
quoi ça? Attends, j'ai tout pris dans le coffre. On va sûrement avoir un problème de... On a sûrement un problème d'inventaire, lol. Je me rappelle plus où était le... Je crois que c'est pas très loin. Attends, déjà on va continuer la zone, parce que je sais qu'il y a encore du combat. D'accord, c'est quoi un peu notre vie? La moitié. On peut se soigner. Okay, très bien. On fait voir, ça c'est quoi? Munitions. Ah, peut-être qu'on a la place en fait maintenant. On va voir. Ouais. Bon bah, on peut avancer. Non, c'est l'objet que je voulais. Merci. D321E, I think I found a way to reach the dome. Just got a train and a tank. Yeah, and then up the ladder to the access hatch. Elias, you done yet? Yes, sir. Just wrapping up. What? First, we're going to need the console code off that. Look for that guard. On trouve le code sur le garde. Mais ce que je voudrais, c'est... Vous l'avez deviné. Une reforge, parce qu'on est plein encore une fois. Je crois qu'il y a une reforge pas trop loin dans le secteur. Mais... Enfin, voilà, quoi, comme d'habitude. Death is coming. Yes. Yes, yes, yes. Let's go. UJC printing at your service. Alors. Tiens, pourquoi c'est pas très net? Alors ça, c'est pas très net, qu'est-ce qui se passe? Oh, le jeu, t'es en train de mourir ou quoi? Have a united day. Qu'est-ce qu'il a le jeu? Regardez, on n'arrive même pas à lire. Qu'est-ce qui se passe? Attends, pourtant... Non, même l'inventaire, qu'est-ce qui lui arrive? Classic favorite. Your favorite, Julia.
selection. Du coup, on a 400. Qu'est-ce qu'on veut augmenter? Ça c'est 900. On va faire ça. Par contre, il y a un problème là avec les graphismes. Tout a l'air nickel, sauf que les écritures, elles sont super pixelisées en fait. Je vais devoir regarder. Oh, le problème, c'est que je dois quitter le jeu pour aller dans les options graphiques. Et du coup, il me faut une sauvegarde. Il faut un point de contrôle. Unit online. On pourrait faire... Non, ça c'est 800. Ça c'est quoi? C'est 900. Bon, on peut rien faire. Enfin, si on peut, mais ça m'intéresse pas. La contre-attaque au blocage, je sais pas. Et j'arrive pas à lire, quoi. J'arrive pas du tout à lire. Ouais. Non, il faut qu'on avance. Par contre, on va revenir dans la salle d'avant. Est-ce que ça c'est... Non, ça va. Ouais, je sais pas ce qu'elles ont les écritures. On est à 877. Là, c'est 900. Ouais. Il me faut un point de contrôle. Je crois qu'il y en a un juste là. Attends, on est d'accord qu'il y a un problème avec l'inventaire là. Ouais, non, on est grave d'accord. Ok, je reviens vite. Bon, on est de retour, ça va faire 15 minutes que je lance. Je quitte le jeu et je le relance. J'ai testé de mettre les graphismes en ultra, en faible, les textures, tout ça. J'ai tout changé. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas du tout ce qui se passe. Zéro idée. Est-ce que c'est cette partie du jeu qui merde? J'en sais rien. Pourtant, le jeu est très beau, il n'y a pas de problème et tout ça. Mais l'inventaire est tout merdé. Putain, mais oh, c'est compliqué de faire un jeu vidéo apparemment de nos jours. Genre sans problème. Pourtant, ça rapporte de l'argent, il paraît. Enfin bref, on avance. Parce que j'ai envie de jouer. Shoot ce tentacule. Même les munitions, en fait. Et même les graphismes de ma vie, j'ai l'impression que c'est en très basse qualité. Non mais c'est moi qui deviens fou ou quoi? On avance. Tentacules, soit mutent les ennemis. Donc ils vont muter avec leurs tentacules. Et ils vont devenir très puissants. Il m'a touché ou pas? Voilà, ils ont instauré le système avec les tentacules. Ah oui, j'ai changé aussi. Ah, c'est peut-être ça.
J'ai mis une couleur par rapport au... Ouais, non, en fait, c'est pas beau. Désolé, je vais changer ça. Désolé, on va changer ça. Pardon, je suis allé m'amuser dans les options, vu que j'étais dans les options. Sous-titres... On va remettre blanc. Ah, on pourrait peut-être mettre comme ça. Peut-être bien. J'en sais rien. Alors... C'est lequel de... qu'on vient d'avoir? C'est ça, c'est Bruno, je faisais pas attention. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, je crois. Donc ils ont instauré le système des tentacules. Honnêtement, c'est plus chiant qu'autre chose. Les ennemis sont... Genre on tire dans les tentacules, les ennemis meurent quasiment instantanément la plupart du temps. Et s'ils mutent, ils deviennent extrêmement puissants. Donc bon. C'est un peu extrême, je trouve. Avance, allez, Jacob. Allez, 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 allez. Je peux le faire. Ah non, il y a un problème. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe et j'en ai un peu marre de devoir corriger les problèmes du jeu. Ok, je vais juste faire un demi-tour. Ah oui, ça c'est vrai que... Ça a bougé du coup. J'avais des objets à ramasser que je pouvais pas parce que j'étais plein. Je crois que c'est que des balles. Ouais, très bien. Je crois qu'on avait tout. Hein. On avait tout récupéré. Juste dessus. Non, non, non. Ok, inventaire. Donc, de la vie, on a du soin. Ok. Je peux pas prendre les objets. Cette zone, elle est buggée. La première fois que j'étais venu, c'était la même chose. Genre quand on revient, on peut pas prendre. On est à 1000. On peut pas prendre les objets en fait. Ils brillent, on les voit, mais on peut pas les prendre. Il y a, ouais, il y a un truc bizarre qui se passe ici. Qu'est-ce qu'on fait? On avait dit que le plus intéressant. Putain, mais j'arrive pas à lire ce que c'est. J'arrive pas à lire ce que c'est. On pourrait faire le fusil ou alors ça. Genre impression en cours, c'est super net. C'est que l'inventaire en fait. Tout ce qui est inventaire et genre écriture de l'inventaire et même les munitions, on voit que c'est tout. Pixelisé. Mais ouais, je peux plus récupérer ça là. C'est trop bien.
Je sais pas, c'est bizarre ce qui se passe ici. Ah, mais il y avait ça là aussi. C'est réapparu ou quoi? Je trouve qu'il y a beaucoup d'objets là, non? Please make a selection. Ça. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'objets. On va faire la rencontre de jolies bestioles. Mort ou pas? Warning. Ah. Mais putain, tape. Ah super. Vous voyez que le gameplay il a vraiment un problème honnêtement. Vous avez vu ça 3 fois d'affilée, la même chose? Genre ça me déstabilise et tout, je peux rien faire. C'est pas mal hein. Je vais crever. Un truc très chiant aussi, vous avez vu qu'il a une super allonge en fait. Il a une super allonge en fait, il se jette sur l'ennemi quand il s'engage, Jacob. Mais là... Et merde. Mais là, il est techniquement... Ses ennemis, c'est les pires à cause du gameplay en fait. Mais techniquement, il est pas engagé à l'ennemi parce que non, l'ennemi en fait part. En fait, s'en va. Et... D'accord, je réapparais juste devant eux, quoi. Et du coup, je peux pas les enchaîner, en fait. Je peux pas les taper. Le mieux c'est tout simplement de leur tirer dessus en fait. Ou alors... C'est là je vais... Voilà. Ah c'est la merde hein, ces trucs. Je sais pas, j'ai pas vraiment trouvé de... Ouais non, ça a pas changé. J'ai pas trouvé de moyen vraiment de les combattre. Bon, après ça s'est bien passé là. Ah, il y a un soin là encore. Genre utiliser le gant surtout. Je
crois qu'il y a encore du soin qui traîne. Mais genre pas des seringues, mais du soin. Je sais pas où part. Après, je crois qu'on peut les esquiver. Faudrait que j'attende qu'ils m'attaquent pour voir si j'arrive à bien les esquiver, mais je suis pas complètement sûr. Ah ouais, mais non, mais je peux pas les prendre, ça. Je sais pas ce qui se passe. Ça me ferait un peu chier d'utiliser du soin, en fait, pour ce que j'ai, là, en dégâts. UJC Printing. Have a united day. On va faire ça. On est à 400. Très bien. Ça, c'est 800. 2007. C'est énorme. Et 2007 aussi. J'imagine que là, c'est pareil. 1800. Là, 2007. Ok. Après, c'est quoi? C'est... Ah oui, c'est la recharge automatique. Combien c'est? 300. Je sais pas. On va garder l'argent pour le moment. Il ressemble à quoi mon inventaire? 2 ans. Allez, on avance. Je vais être honnête, j'en ai un tout petit peu marre que le jeu ait des problèmes. Même maintenant, il y a des bugs bizarres en fait. Des bugs un tout petit peu étranges. Ah oui, ça va être marrant là, tiens. Yeah, santé. C'est pour ça que je voulais pas me soigner. C'est quoi, ça de la santé aussi? Ouais. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas me soigner, parce que bon, des fois on trouve de la santé, vu que c'est complètement aléatoire. Le son, il est très bizarre, il est super bas, je trouve. Dans ce passage-là, c'est très étrange. Alors qu'en général, le jeu gueule. Oh mon dieu! Ah, on est bon. Il y a des cocons un peu partout. Oh la vache, le saut quoi. Ah oui, il y a des créatures aussi dans l'eau. Je sais pas comment je me suis pas pris le... la pale, mais ça va. Ah!
Je sais pas pourquoi j'ai voulu passer sur le côté droit au lieu du gauche. J'aurais dû complètement rester à gauche, tout simplement. Non, mais bon. Ce passage est super sombre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est pour faire peur ou pas. Ça fait déjà assez peur les créatures là qui sont... Okay, très bien. Allez, lâche-moi. Ok. Regardez comme il monte la chaîne. Genre les élans qu'il prend là maintenant. C'est un peu abusé, je trouve. On est sauvé. Là-bas, les objets. Convertisseur d'énergie. Ah, j'ai refait un petit tour sur Steam. Ah oui, ce passage, je comprends pas pourquoi il y a écrit Shoot the Tentacle encore une fois. C'est exactement la même écriture et tout ça hein, que la première fois, donc je comprends pas pourquoi. Enfin, bref. J'ai vu des gens qui se plaignaient, pareil, des sauvegardes qui sont pas des vraies sauvegardes. C'est des sauvegardes de points de contrôle en fait. C'est très 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 emmerdant. J'ai rien à enlever. Ça c'est du soin. Le soin c'est 100 crédits quand même. Allez, je devrais enlever la batterie, mais bon. On va peut-être en avoir besoin. Ah oui, ce passage a été chiant. Allô? Vous voyez, ce passage il est étrange parce que c'est que des trucs à tentacules. Mais vous avez vu, on tire une balle dans les tentacules et les machins ils crèvent direct. Donc c'est censé être quoi? Les rendre plus dangereux ou plus faciles en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Bon après j'imagine que si j'ai pas de munitions c'est un peu la merde. Mais non je sais pas. Je préférais des monstres en fait sans tentacules, genre normaux. Ok, très bien.
Et un truc, c'est que si jamais je fais que le taper au corps à corps et que il arrive à muter, parce qu'il va muter en fait pendant. Ah, fait chier, j'ai pas envie d'utiliser un soin quoi. Il va muter pendant que je le tape. Ça va pas l'empêcher en fait de muter si je tape. Et je crois que. Je sais pas, genre le. Elias il a dit qu'il faut. Enfin non, pas Elias. Le. L'enregistrement il a dit qu'on pouvait le faire aussi avec le bâton. La matraque. Genre taper dans les tentacules. J'ai jamais. J'ai jamais réussi en fait. Mais ouais, si on fait que taper. Qu'est-ce qu'il me fait? Si on fait que taper, ben on est dans la merde. Je sais pas, c'est un peu bizarre. C'était cette fameuse caisse. J'aime bien ce qu'on m'a signalé, surtout avec Celia. J'aime bien parce qu'elle arrive à tout voir alors que moi je passe à côté de plein de choses apparemment. Mais dans le jeu, même passer à côté de choses, c'est pas très grave parce qu'on n'a jamais la place. Et c'est vraiment relou, mais on n'a jamais la place de tout récupérer. Donc bon, au final, c'est pas très grave. Là, il y en a un autre. Ah, ça marche pas. Il y a ça qui me gêne. C'est chiant. Une seconde. Désolé, il faut que je change la batterie de mon casque. Je l'ai pas fait avant de commencer la vidéo. C'est ma faute. Ça, c'est des moments que j'oublie de couper. Parce que ça dure genre 30 secondes. Donc, trouver 30 secondes dans une heure plus de vidéo, c'est la merde. Il y a un bruit bizarre. Je sais pas si je devrais le dire, parce que les gens ils vont. Vous allez entendre que ça si j'en parle. On dirait que. Je sais pas, on dirait qu'il y a un bruit en arrière en fait. C'est moi qui devenir fou. Ok, donc on a ce passage là. C'est pour aller récupérer des ressources encore une fois. Ça je me rappelle l'avoir fait. Ok, let's go, let's go. Ah. C'est assez dégueulasse ici. Ah putain! J'aime pas ces trucs dans les casiers, ça fait vraiment de la vie perdue pour rien quoi. Ça, on peut pas l'empêcher. Il faut aller là.
Parfait. Je peux rien faire, je suis toujours en animation de monter l'échelle, donc bon. Ça c'est un peu emmerdant, je trouve. Ça c'est quoi? On peut aller vendre des choses. C'était loin l'endroit. La reforge là. Je m'en rappelle plus déjà. Attends, quoique, c'était pas très loin. On peut revenir en arrière? C'est quand même quelques objets qui seraient pas mal de. D'être vendu. Ah ouais, mais non, il n'y a rien là, il n'y a pas de reforge en fait. Non, je t'en merde. Aïe. Très bien. On va se débrouiller comme ça. Alors, là, il y avait un bug la première fois que je l'ai fait. On va voir si ça y est toujours. Wow. Wasn't that something? Ok, non, il n'y a pas le bug cette fois. J'avais un bug où la porte, elle était... Enfin bref, c'était tout déformé, tout ça. Ah, la vache. Ça doit être dans les dernières vidéos. Ah là, ça va être fun. Là, ça va être fun. Regardez ça, on dirait le masque de... Les lumières dans le masque de Isaac. Je sais pas si c'est fait exprès. Mais on dirait tellement ça. Je l'ai fait, tu copies. I got eyes in the tram station. I'll meet you there. Not so fast. See that building, oxygen processing? There's a security station inside. You need to get there to lift the lockdown in the dome. Can't dock the tram until you do. I had a feeling you weren't telling me everything. C'est parti. Une seconde, je reviens. Ok, on est de retour. Je vais aller prendre à boire pour rester éveillé. Il y a un petit robot qui rôde. Dans les arbres. Enfin, en fait, non, c'est faux ce que je dis. Il n'y a pas de truc dans les arbres. Pas pour le moment. C'est après. Putain. Open this door, you bastard!
code du garde. Unit online. Ça. Alors un truc que j'avais essayé, parce qu'il va y avoir des créatures plus tard, c'est d'essayer de faire combattre le robot et les créatures, et apparemment ça fonctionne pas. Les deux s'ignorent en fait. Même si les deux sont activés, donc je me demande si on peut pas tout simplement tuer le robot maintenant. You will comply in... Merde, bouge. Putain de merde. Présume. Débile. Non, pas ça. Ok, on va d'abord ouvrir. Inmate, return to your sin. Network signal lost. Ok, parfait. Ah oui, un truc dangereux, si jamais vous rechargez... Ah putain, on est plein. Si jamais vous êtes en train de recharger ou de faire quoi d'autre... je crois qu'il y avait encore autre chose. Vous pouvez pas ouvrir les portes, donc c'est un problème. C'est un gros problème. Qu'est-ce qu'on va virer? On est full vie. Très bien, 500. UJC Printing, have a united day. Ok, on a 1200. Qu'est-ce qu'on fait? On attend pour... Ah, on peut attendre pour ça, pour avoir les dégâts au maximum là. Balle explosive, ça peut être intéressant. Très joli les serres comme ça. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Et vous avez remarqué, il y a des pics partout. Il y a des objets au fond, donc on va faire encore un aller-retour. The choice is yours. Non, pas ça, ça. Ça. Les munitions risquent d'en avoir besoin en fait. On va sûrement devoir... Enfin, oui, on va plus devoir tirer que se soigner. Nickel. Enregistrement supplémentaire.
crois que c'est ça. We have to contain this. Not a single inmate is escaping on my watch. But sir, you don't understand. They're not inmates. Not anymore. Là. Je crois qu'il y en avait là-bas. Très bien. On en a encore pas mal. Ça. Ah si, il y en avait là. Gotta find a way back there. I need that code. Ah ouais. UJC printing at your service. Non. On va pas trop vendre simplement pour récupérer les balles directement. On peut attendre encore un peu. Avec des barres, ça va. Ça va, ça se passe bien. On peut vendre un soin à la limite pour avoir les balles explosives. UJC printing for all your needs. J'avais récupéré le fusil, c'est pas mal. Mais les capacités de munitions, c'est genre 2 cartouches au le premier niveau, donc c'est un peu de la merde. Donc à la limite, je préfère garder de l'argent de côté. Par contre, ça, est-ce qu'est-ce qu'on fait ? Il nous manquerait plus que 1000 pour vraiment avoir un niveau 3 comme ça. Non, mais je pense qu'on va... Honnêtement, le Magnum est cool. Le Magnum est sympa pour le moment. Ouais. Donc ça, c'est ajoute... Donc c'est des munitions explosives, elles explosent après un petit moment, ils disent, je crois. Un temps après l'impact. Please make a valid choice. Ah merde, oui, ça va, pardon. Du coup. Ah, mais j'ai. Ah, c'est 1800, j'ai 719, fais chier. Ah! On va attendre. Ah non, non, j'avais dit qu'on vendait un soin, c'est ça? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est parti. Please operate responsibly. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Tir alternatif. Les armes améliorées avec le mode de tir alternatif offrent une plus grande puissance de feu, mais utilisent plus de munitions. Maintenez la gâchette gauche enfoncée pour regarder dans le viseur et appuyez sur la gâchette haute droite pour utiliser le mode de tir alternatif plus puissant de l'arme. Ah. Ok. Ça marche. Ouais, ils ont fait le même système que Dead Space avec les deux tirs différents par arme en fait. Ah, honnêtement, je préfère Dead Space pour ça. Ça c'est pas... Enfin, là il faut vraiment l'augmenter au max et tout l'arme. Je sais pas.
Est-ce qu'il arrive ou pas? On s'est fait pas mal d'argent là en peu de temps parce qu'il y a beaucoup d'objets qui valent cher. On se fait pas trop toucher tout ça, ça se passe très bien pour le moment. Ça continue. Je l'ai tué, je sais pas trop comment. J'ai fait mon nouveau tir là. Je sais pas si ça a vraiment fait trop de dégâts ou pas. Ah oui, on peut passer par là. Quoique là, peut-être pas. Voir, c'est peut-être la suite. Non, c'est peut-être la suite en fait, ça. Je me rappelle plus. Je sais qu'il y a. Ça continue avec le. La fumée là, mais. On va voir. Plein de petits trucs. Ah, ils ouvrent les bouches d'aération et ils partent. Ou pas. Oh, une caisse. Honnêtement, je sais pas si c'est dangereux. Ah bah on peut les faire partir comme ça. C'est bon à savoir ça. Je crois qu'il... Je sais pas si ça drop des objets. Je... Peut-être. J'entends des bruits mais... Je vois que dalle. On va partir. Alors, je crois que... Ouais, non, on a quand même 3 soins, ça sert à rien. 200... 300, pardon. À ce côté, là c'est 300 aussi. Elias, you copy?
I'm lifting the lockdown. Nice work, bruv. Pull it inside the station now. Only problem is I can't reach it. The walkway collapsed. The utility room across the way has access to the level below. See if you can reach the catwalk from there. And hurry, the storm's getting worse. Alors maintenant on a des problèmes par contre. Ah, oh, c'est réapparu. Ouais, vous voyez, il y a ça maintenant dans les arbres. Je sais pas si je peux lui balancer ça directement et récupérer les loots. Ou alors il faut absolument qu'il soit sur le sol. J'imagine qu'il faut que ce soit sur le sol. Putain de merde. Ça sert à rien d'essayer de les taper quand ils sont en train de partir. Ils ont pas trop de vie, mais c'est un peu une galère de les combattre. Oh là là, il est devant moi, bordel de merde, quoi. Ah, je crois qu'on est bon. Ces monstres-là sont très très chiants parce qu'on peut pas les taper directement. Il faut jouer le jeu de d'esquiver d'abord, sinon vous pouvez rien faire du tout. Parce que ils vont... leur vitesse, elle est 7 fois plus supérieure à la vôtre. Donc, je sais pas, je trouve ça embêtant en fait. Pas très fun. Et maintenant on va jouer au jeu. Trouve les cadavres. Ah par contre. Je crois que c'est juste de l'ambiance ça, je crois pas qu'il y en ait d'autres.
Il n'y a plus de musique, rien. Je crois que maintenant, ce qu'on entend, là, les créatures dans les arbres et tout, et les branches qui craquent, je crois que c'est seulement de l'ambiance. Faut passer par là. Du coup, on est un peu. Ouais. On n'est pas à court, mais. C'est pas la folie non plus. Mais bon, moi, on a une arme qui fait très mal. Honnêtement, la première fois, ça m'a pris beaucoup de temps de faire ce passage. Enfin, beaucoup de temps, une vingtaine de minutes, quoi. Beaucoup de munitions, mais Kyle Serra. Je crois que c'est juste pour ça en plus. Ça vaut vraiment pas le coup. Ce qu'on a. Ouais, c'est pas fameux. Pour une fois, on passe de l'inventaire plein à l'inventaire ben, un peu vide quoi. Mais ça va bien se passer. Death is coming again. On arrive bientôt à où j'avais arrêté en fait. Donc c'est cool. La passerelle effondrée. Ah oui, il y a un truc marrant ici. Vous allez voir. Genre ce truc là. Genre, si vous balancez un des monstres dedans, attends, quelque chose m'a vu ou pas? Oh, c'est un peu risqué là.
Mais putain, t'es sérieux là? Voilà. Ça fait ça. Vous m'expliquez le principe de ce truc? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi exactement? Genre, même si vous réduisez les bûches en copeaux là. Genre après ça les fout partout, c'est ça? C'est quoi le but? Par contre le mieux c'est de les tuer comme ça parce que... Comme ça vous pouvez récupérer les objets. Il est un peu loin, lui il y a l'autre. On a encore un peu de batterie. Ah mais t'es pas un truc qu'on peut backstab. C'est pour ça que je trouve que cette installation elle est un peu étrange. Genre, ça n'a pas trop de sens ce qui se passe ici. Ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Je sais pas si on peut le backstab celui-là qui est là-bas. Ah si on peut. Bon bah voilà. Vous voyez donc cette machine du coup vous foutez du bois dedans, ça le détruit. Puis en plus il faut bien le mettre dans les bons parce qu'il y en a qui tournent vers l'intérieur et du coup bah il y en a qui tournent vers l'extérieur. Et après ça fout les copeaux partout. Zéro sens cette machine, tu vois. Genre est-ce que vous avez une bonne assurance vie? Bah venez travailler ici. Oi, Jacob, over here. Oi. J'arrive, mate. Je sais pas, ça m'a fait rire la première fois que j'ai vu ça. Jacob, boy, over here. Oi. It's not as bad as it looks. Come up. You want me to climb that? That depends. Do you want to get off this rock? Yeah, that's a good point. Come on, it's dead easy. Just don't look down, yeah? Alors, en français, dans la version française, si vous regardez le cinquième épisode, à un moment, je crois qu'il a fait une phrase en allemand, Elias. You look like shit. Yeah, I look like shit, huh? I smell like it too because somebody... I forgot to mention that I'd be swimming in it! I told you it wouldn't be easy. But what matters is that you made it, yeah? Yeah, well, we both did. Not quite yet. But we're nearly there. Come on. Give us your hand. Hurry! Come on! Take my hand! Gotcha! J'aime bien l'élan qu'il a pris pour donner un coup de masque. De casque, pardon. C'est plutôt stylé. Holy shit, bro. I think those things are changing. They're evolving. Yeah, I think we need to get the hell out of here. What's with the suit? Station got damaged during evacuation. You got to go outside to access the tram. Here, get suited up. We still gotta beat that storm.
When you're ready, I'll cycle the airlock. I never asked you, what are you in for? What? You worried you're helping a murderer escape? Well, yeah, kinda. Well, you are, man. So what? Look, it's a long time ago, yeah? I was defending myself. Wrong place, wrong time. I made a lot of bad decisions back then. Yeah, well, you were probably just dealt the shitty hand. No. No. It was just to blame everyone else. But then I realized this was on me. You can't keep running from what you've done. Oh, regardez qui c'est. La VF dans ce passage-là, elle était horrible. Perdu. La VF, on dit... J'avais l'impression qu'il manquait des phrases. Tada, on a notre tenue. Goddamn Ferris. How the fuck is he still alive? Je vais être honnête, j'étais un peu déçu de la façon dont on récupère la tenue. Parce que bah, c'est pas super épique en fait. Je pensais qu'on allait avoir un truc super épique, mais en fait non, les mecs ils se changent, puis basta quoi. Parce que bon, je sais pas, la tenue c'est classe. Alors combinaison en ligne, amélioration de la santé et de l'inventaire. Donc maintenant on a 12 emplacements. On a les 6 qui sont nouveaux là. Donc ça c'est bien, on aura un peu plus de place. Et on a un peu plus de santé, comme ils disent, donc ça Elias c'est... Where are you? Gotta find him. Les éclairs et tout ça, comme ça, c'est super bien fait, je trouve. Enfin, c'est super joli. C'est super. Ça fait un très bon effet, en fait, sur le jeu. Par contre, il y a un bruit. La première fois que j'ai un peu dit pareil. Oh, tiens, elle m'a vu qui est bloqué sur le monstre. Genre. Elle fait un putain de bruit mécanique, la tenue.
Ça fait un sacré bruit mécanique. On arrive, bro. On arrive, mate. On arrive. Donc, petite parenthèse. Ici, c'est où je me suis arrêté après cette cinématique, on va voir là. Pourquoi ? Parce que le jeu était vraiment une catastrophe. La VF et tout ça, il y avait encore une partie en français, puis après il y avait une partie en anglais, puis après ça revient en français. Et c'est à l'épisode 5, là, à la fin de l'épisode 5, original. Et après, on a eu la VF, la synchronisation labiale, c'était une catastrophe aussi. On va voir un personnage, vous allez voir. Elle disait deux phrases en français et ça parlait en fait pendant que la bouche était fermée. Les deux phrases étaient au moment où elle ne parlait plus. Donc c'était une catastrophe à regarder cette cinématique. Donc là, au moins, elle va être beaucoup plus cool. En VO. Told him not to trust you. How did you find us? Emergency beacon. You're lucky I'm the one who picked it up. Too late. Not for what I need. He knew Black Iron like the back of his hand. Hey, what are you doing? Hey! Now I do too. Hey, wait! Wait! Where do you think you're going? I'm a pilot, you need me! Hangar's that way. Better start walking. Eh, la VO aussi, elle est mal faite. I'm so sorry, Wes. La VO aussi, elle est mal faite. Bon, y a pas le problème de switcher de langage, mais de langue. Mais la VO aussi, sur ces deux phrases qu'elle a dit, elles sont tombées sur le moment où elle avait la bouche fermée. Donc, ouais. Non, c'est vraiment l'équipe qui a fait de la merde. Parce qu'en fait, tout le monde va se calquer sur le moment où il y a la parole.
par rapport à la version originale, donc qui est en anglaise. Donc s'il se loupe en anglais, bah, tout le monde va, en fait, va mettre au même endroit, genre toutes les langues. Du coup, ils font de la merde, tous. Mais ouais, donc c'est pas que la VF qui a ce problème-là. Enfin, là, en VO, on a vu que à ce moment-là, mais voilà. Ici, c'est un problème, du coup. On va s'arrêter ici. Donc, ouais, j'ai rattrapé le moment où j'étais. Donc, voilà, on a notre tenue, on a plus de vie, on a plus d'équipement. Enfin, on a plus de trucs bizarres qui se passent dans la neige. On a plus d'inventaire. Et on continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ça se passe bien, je suis content, c'est cool. Continuera ça dans le prochain épisode. Et ça sera du coup de la découverte pour moi. Car c'est là où je me suis arrêté. À la prochaine. Ciao.